Alors Tesla ajoute le modèle Y Lagrange à son programme de parrainage, à son concours de programme de parrainage du coup. Alors vous pouvez chaque fois, chaque 1000 crédits, vous avez une chance d'être tiré au sort. Donc là ça c'est vraiment pour vider les crédits des gens qui ont été parrainés quoi. C'est un peu con d'ailleurs, mais il y a très peu de chances de gagner. Bêtement ça vide vos crédits. Faut pas faire ça. Hein. Je pense que c'est pas un bon plan de faire ça. Hein. Le mois dernier Tesla a ajouté une nouvelle option de tirage au sort. Le premier cadeau était un modèle 3 performance. Une entrée coûte 1000 crédits. Donc avec chaque parrainage de 10 000 points, vous pouvez théoriquement participer jusqu'à 10 fois par parrainage. Le tirage au sort de la modèle 3 performance a eu lieu le 6 octobre. Ils n'ont pas annoncé de gagnant et ne le feront probablement pas. Une semaine plus tard, ils offrent une autre voiture. Cette fois, Tesla tire au sort un modèle Y Lagrange. Comme la dernière fois, le concours est disponible au Canada, aux US. Chaque inscription coûte 1000 crédits. Tirage au sort aura lieu en janvier 2024. Alors, je trouve que ça a un peu. C'est pas très transparent leur truc en fait. Parce que bon, pas de gagnant annoncé, on pourrait se demander si vraiment les tirages au sort ont lieu, s'il y a des gagnants qui sont déclarés, etc. quoi. J'espère que c'est pas une astuce pour vider les crédits des gens et au final faire gagner aucune voiture à personne. Bon, moi, je pense pas, hein, mais bon, on sait jamais. Je vous laisse commenter.